chercher un local proche de chez nous. Puis les locaux aussi, vu que c'est un quartier en devenir, c'est pas les grosses rues de Québec où est-ce que le loyer est cher. Puis on se lançait en affaires. On avait déjà un petit traiteur, le Pied Bleu, mais on se lançait quand même dans l'inconnu. Fait qu'on voulait pas se lancer dans des dépenses. Fait qu'on a fait un petit local, comme ça, sympathique, dans le coin, on essaye. Puis tu sais, c'est le côté aussi, tu sais, de dire, ben tu sais, on a trois enfants, on veut que les enfants aient de l'école à côté, qu'on puisse aller les chercher, on a une maison à côté, tu sais, je peux retourner à la maison, puis rencontrer, tu sais, les clients, tu sais, moi, je trouve ça super drôle, tu sais, de me promener dans la rue, puis dire, ah, telle personne, elle me dit quelque chose, puis là, elle me dit un bonjour, puis je dis, ah, ben, OK, oui, je les vais au restaurant. C'est niaiseux, mais c'est vraiment ça. C'est super le fun, mais tu sais, d'avoir cette interaction-là de quartier. Toi, c'est quoi ton contraire? Moi, c'est le contraire. Je les vois à l'école, puis ils viennent au restaurant, puis je dis « Ah, je l'ai vu à l'école! » Ouais, c'est ça. Chacun son contraire.